Vi ringrazio tutti a nome del Comitato per essere qui anche oggi pomeriggio e per comunque aver riempito questa sala e passo subito la parola a Ibrahima. Merci, merci beaucoup. Bon après-midi à tous. J'ai l'immense plaisir d'introduire sur la question de la souveraineté alimentaire comme un projet politique. Comme nous le savons tous, la souveraineté alimentaire est née dans un contexte où le néolibéralisme triomphait. En effet, c'était dans les pays du Sud, c'était la période des programmes d'ajustement structurel où il était demandé au gouvernement par la Banque mondiale de retirer tous les soutiens à l'agriculture. Bien sûr, il y a d'autres secteurs comme la santé, comme l'éducation qui étaient abandonnés par le gouvernement pour les... C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en Grèce, pour que vous compreniez. Je pense que c'est exactement la même chose qui est en train de se passer en Europe aujourd'hui. On met sous ajustement structurel et on demande au gouvernement vraiment d'abandonner tout soutien au secteur public, au secteur des services aux communautés. Et ensuite, je pense qu'en Afrique et dans beaucoup de pays du Sud, en plus de cette pression, de cette volonté des institutions financières de prendre le contrôle de nos décisions politiques, il y avait effectivement la question de l'aide alimentaire qui était devenue une question récurrente où pratiquement l'aide alimentaire était déversée des surplus alimentaires des pays développés, le blé, le lait en poudre, d'autres produits de ce genre étaient déversés sur nos marchés, empêchant la production locale de pouvoir avoir sa place. Et bien sûr aussi, c'était dans un contexte où déjà, nous voyons émerger beaucoup d'agressions contre les paysans qui s'organisent, qui voulaient se battre. La question de l'accès à l'alimentation devenait problématique pour ceux-là même qui produisaient l'alimentation. Donc je pense que pour situer un peu, c'est dans ce contexte-là que le mouvement paysan international via Campesina, en marge du sommet mondial de l'alimentation de 1996, a mûri et lancer ce concept de souveraineté alimentaire avec cette définition toute simple. Nous, via Campesina, un mouvement croissant de travailleurs agricoles, de paysans sans terre, de peuples autochtones, de peuples indigènes et d'organisations de petits producteurs de toutes les régions du monde, savons que la sécurité alimentaire ne peut pas être assuré sans tenir pleinement compte de ceux-là même qui produisent l'alimentation. Se nourrir est un droit et ce droit ne peut être garanti que dans un système où la souveraineté alimentaire est garantie. La souveraineté alimentaire est le droit pour chaque pays de maintenir et développer sa propre capacité de produire son alimentation, en respectant la diversité agricole et culturelle. La souveraineté alimentaire est une condition préalable de la sécurité alimentaire. Donc déjà, on voit tous les éléments qui sont les bases de cette formulation de politique, parce que via Campesina a lancé le concept comme une contre-proposition aux politiques néolibérales, en mettant là-dedans tous les éléments de cohérence qui pouvaient permettre de régler les problèmes réels qui se posait dans beaucoup de pays du Sud à l'époque. Et le concept, effectivement, a évolué. En 2002, il y a eu une nouvelle définition qui reprenait les mêmes éléments, mais en les structurant encore mieux. Et donc, qu'est-ce qu'implique la souveraineté alimentaire en tant que formulation politique? La souveraineté alimentaire, premièrement, c'est basé sur la production locale. Donc, je pense que c'est extrêmement important que cette reconnaissance du droit de chaque pays, de chaque communauté, des groupes, des communautés qui sont organisées au niveau le plus local,
jusqu'au niveau national, voire régional, parce que s'il y a des États qui sont intégrés en communauté économique, ils ont le droit d'avoir les mêmes types de politiques. On doit reconnaître qu'il y a une préférence pour la production locale, la production qui se fait dans le territoire défini. Et donc, c'est ça qui doit être protégé, c'est ça qui doit être soutenu, cette production est prioritaire. Et donc, là, la question se pose, est-ce que la souveraineté alimentaire, c'est l'autarcie? Non, je pense que, effectivement, la souveraineté alimentaire, ce n'est pas s'enfermer, ce n'est pas refuser l'autre, mais c'est de dire que ceux qui produisent l'alimentation doivent continuer à le faire pour leur propre alimentation et ils doivent alimenter les marchés locaux. Donc, nourrir, c'est nourrir et nourrir leur propre pays. C'est ça qui est prioritaire. Maintenant, chacun a le droit de manger du fromage, des lentilles ou je ne sais pas quoi, s'il a envie et si ça ne se produit pas dans sa région. Donc, ce n'est vraiment pas ça la question. La question est de dire on a une économie locale qui est là, qui doit continuer à fonctionner. Effectivement, ça implique effectivement de mettre en place les instruments qui permettent de protéger l'agriculture locale. Si effectivement on est dans un système où des produits peuvent venir d'ailleurs pour venir mettre en difficulté les productions paysannes, que ce soit agricoles, de l'élevage, de la pêche ou d'autres types de produits, effectivement on a le droit de protéger cette production. Et on a la souveraineté alimentaire oblige les gouvernements, les États à mettre en place des dispositifs et des politiques pour que les petits paysans puissent accéder aux moyens de production. Dans ces moyens de production, il y a la terre, il y a l'eau, il y a les ressources naturelles, toutes les ressources naturelles qui sont indispensables, qui permettent effectivement aux paysans de pouvoir continuer à faire leur travail de producteurs et de se nourrir et nourrir leur communauté. Donc, il y a cette question de l'accès aux ressources. La souveraineté alimentaire implique la résistance face aux technologies hasardeuses. Et je pense qu'effectivement, actuellement, le modèle de production sur lequel la souveraineté alimentaire se base ne peut être que l'agroécologie. Parce que tout simplement, la souveraineté alimentaire ne peut pas se mettre en cohérence avec les technologies qui nous sont imposées par les multinationales, comme les hybrides, comme les OGM, tout ce qui crée des distorsions par rapport à la capacité des paysans à préserver la biodiversité sont contraires à la souveraineté alimentaire. Il y a cette question de la rémunération juste du travail paysan. Je pense que c'est une question importante. On a fait croire à tout le monde, surtout dans les pays riches, que l'alimentation doit être vendue au prix le moins cher possible. Donc on a connu tout le monde dans les supermarchés. Les gens peuvent se nourrir à vil prix, mais on ne pense pas au drame que vivent les producteurs, les paysans qui vendent le litre de lait en dessous du coût de production et puis se font payer par des subventions européennes. On ne pense pas à tous les producteurs qui doivent véritablement, qui se trouvent dans des situations intenables pour vivre tout simplement. Et sans les subventions, ils ne peuvent pas vivre. Donc ce n'est pas comme ça qu'on peut construire l'avenir. Donc la souveraineté alimentaire ne peut pas s'accommoder d'un système où véritablement on pousse les paysans à produire pour alimenter des multinationales qui alimentent des supermarchés. Je pense que ce n'est pas ça la souveraineté alimentaire et ce n'est pas la souveraineté. Donc il faut rémunérer à un prix juste le travail du paysan. Ensuite, bien sûr, sans que cela soit contraire au fait que les consommateurs pauvres puissent l'acheter. Donc il faut que chacun ait un équilibre entre le fait que le paysan doit vendre à un prix juste et que le consommateur ait accès aux produits. Il y a la nécessité, le refus de participer au dumping. Je pense que la souveraineté alimentaire ne peut pas entériner ou accepter le dumping, qui est le fait d'aller détruire les marchés des autres. Donc il y a une nécessité à ce niveau de réguler la production, de faire en sorte que les productions qui sont faites au niveau des pays, des communautés, des espaces, ne soient pas un moyen d'aller détruire la capacité de production d'autres espaces. Donc le refus du dumping est un élément de la souveraineté alimentaire. Ensuite, il y a la nécessité, la volonté de participer à la définition des politiques publiques. C'est un élément de la souveraineté alimentaire parce que tout ce qui s'est fait contre le monde paysan est fait contre lui. Et nous avons le droit,
Nous devons tout faire pour que nous soyons dans tous les espaces où des questions qui concernent notre existence sont discutées. Parce que c'est comme ça que notre... Même s'ils ne prennent pas en compte ce que nous disons, au moins on saura ce qu'on a dit. Donc aller défendre nos positions dans tous les espaces, dans tous les forums, est une nécessité, est un élément très important. En Afrique, tout de suite, nous avons vu l'importance d'un concept comme ça, dans un pays, continent dévasté par les méfaits des politiques d'ajustement structurel, par l'aide alimentaire, par la promotion des cultures d'exportation qui ont appauvri les paysans, qui ont détruit des sols à travers les pesticides, les herbicides. Donc tout cela a fait que nous, en tant que paysans, mouvement paysan africain, tout de suite nous nous sommes dit, mais c'est ça la solution à nos problèmes. Et c'est ça qu'il faut il faut que cela soit reconnu dans nos politiques agricoles. Donc le mouvement paysan, notamment en Afrique de l'Ouest, s'est beaucoup mobilisé sur la question de la souveraineté alimentaire. C'est devenu un de nos chevals de bataille très très vite. Et notre objectif à l'époque était très clair. Nous voulons que dans nos pays, aussi bien au niveau des espaces d'intégration que nous avons, notamment en Afrique de l'Ouest, à travers la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, qui est constituée par 15 pays, notre volonté était de faire reconnaître par des lois, par des règlements régionaux, la souveraineté alimentaire comme proposition de politique agricole. Et nous y sommes arrivés à travers toute une stratégie que nous avons élaborée, les mobilisations que nous avons faites, les réflexions stratégiques que nous avons menées. Nous avons donné du contenu et nous avons pu effectivement nous positionner dans l'élaboration des politiques agricoles nationales. D'abord, au Sénégal, au Mali, nous avons des lois d'orientation agricole qui sont votées par le Parlement, qui reconnaissent la souveraineté alimentaire. Maintenant, est-ce qu'on va me dire que vos problèmes sont réglés? Non. Je vais y revenir, parce que c'est une première étape. Mais nous devons avoir conscience que cela ne règle aucun problème si nous ne continuons pas à nous mobiliser. Ensuite, quand la CEDEAO, qui est notre espace communauté économique d'Afrique de l'Ouest, a voulu élaborer sa politique agricole commune, nous avons fait un travail dans tous les 15 pays, mobiliser les paysans, les ONG, tous les mouvements sociaux qui travaillent sur les questions de l'alimentation et de l'agriculture pour qu'ils puissent fédérer leurs forces afin que lors des débats, la question de la souveraineté alimentaire soit vue comme la priorité des priorités pour la politique agricole et régionale. Et là aussi, nous y sommes arrivés. Nous sommes peut-être la première politique agricole d'un espace d'intégration régionale qui reconnaît la souveraineté alimentaire. Il y a des processus qui sont en cours dans d'autres pays. Le Népal, je pense qu'il y a eu un travail pour que la souveraineté alimentaire soit inscrite dans la Constitution. Il y a d'autres pays comme la Bolivie, comme le Venezuela ou d'autres pays, la Suisse. Même en Suisse, les mouvements sociaux se mobilisent pour la reconnaissance de la souveraineté alimentaire. Mais comme je l'ai dit, cela ne suffit pas. Parce que vous avez beau reconnaître et avoir la souveraineté alimentaire dans les lois, vous devez en avoir conscience, nous en Afrique, que nous sommes face à des intérêts économiques très très structurés, très importants, que sont les importateurs alimentaires, que sont les multinationales qui financent les partis politiques qui prennent le pouvoir dans nos pays. On doit avoir conscience de ces problèmes-là. Donc on doit continuer les mobilisations pour que les instruments, comme je l'ai dit tantôt, qui définissent la souveraineté alimentaire, soient reconnus, soient appliqués au quotidien afin que les petits producteurs puissent continuer à faire leur travail de se nourrir et de nourrir leur pays. Et pour ça, nous avons besoin de créer des alliances, des synergies. Nous avons besoin de faire des mobilisations à tous les niveaux, local, national, régional, international. Nous avons besoin véritablement de nous tenir debout comme un seul homme. Maintenant, pour avancer, effectivement, je voudrais provoquer peut-être ou bien faire une proposition. Nous savons tous que tout le monde parle de souveraineté alimentaire, mais nous sommes les porteurs de la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, nos luttes, si nous voulons véritablement lutter pour la souveraineté alimentaire, je pense que nous devons mettre plus d'énergie dans ce combat. Nous pensons que c'est la solution au problème, mais si nous ne mettons pas plus d'énergie, plus de stratégie, plus d'alliance, on ne va pas y arriver. Et comment on peut le faire? Je discutais avec des amis, je dis, mais
pourquoi les mouvements sociaux ne vont pas décréter une journée des luttes pour la souveraineté alimentaire? Une journée où dans tous les pays où les gens croient à la souveraineté alimentaire, où les mouvements sociaux croient à la souveraineté alimentaire, on va se mobiliser ensemble pour dire que c'est cette politique que nous voulons. Et pour peut-être mettre plus d'accent, on pourrait faire choisir même le 15 octobre, juste la veille du sommet mondial de la journée mondiale de l'alimentation, ou le 17, après la journée mondiale, ces deux jours, pour montrer à la communauté internationale, à la Banque mondiale, au FMI, à la FAO, qu'on ne peut plus continuer à compter le nombre de personnes qui souffrent de la faim, de la malnutrition chaque année. On ne peut pas continuer à dire chaque année, ça a augmenté de 200 millions. On a besoin que les gens produisent simplement leur alimentation. Oser lutter, c'est oser vaincre. Je vous remercie. Thank you.